J'espère que vous pétez la forme. Donc c'est Trix Gaming, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc une bouncing Kendamap, donc plus test. Donc voilà, j'ai acheté son Kendamap France, donc c'est un chrome, je vais vous montrer comment il est. Donc là il y a l'emballage, voilà, voilà, donc on va se l'ouvrir ensemble, c'est parti. Les gants, on va se l'ouvrir, voilà, c'est avec Colissimo, bon ça on s'en fout, mais bon, désolé si vous entendez du bruit, voilà, c'est le vent sûrement. Donc c'est bon, je viens d'ouvrir ce truc là. Oh, il y a le Kendama, il est très stylé. Donc là il y a Banzatron, voilà. Vous allez mieux le voir juste après. Donc je l'ai ouvert, donc allez, on va enlever le Kendama. Sors. Wow, il est trop stylé. Donc il est comme ça, voilà, ça c'est Banzatron, le plus fort au mode de Kendama pour moi en tout cas. Voilà, on va se l'ouvrir. Voilà. Wow. Voir la ficelle si elle est de bonne qualité. Et au début, voilà, il y avait ça, ça sert de scotch, voilà, un petit truc Kendama France, donc c'est un autocollant, c'est un des plus connus d'ailleurs de Kendama France comme autocollant. Donc voilà, il y a Chrome, Charlie et Co, voilà. Voilà, le petit truc trop stylé. J'ai trop peur de l'allumer, les gens. Là, il est comme ça. Oh, le bleu, il est trop stylé. On va voir aussi s'il accroche. Voilà. Donc là, il y a la petite boîte chrome trop stylée. Ça, je vais le garder. Je vais garder la boîte. Voilà, il y a écrit Chari et tout. Voilà, c'est voilà, chrome Kendama. Donc, d'ailleurs, ouais, il y a d'autres trucs dedans. Juste d'abord, on va voir s'il y a d'autres trucs dans ça. Ah ouais, il y a d'autres trucs. Je n'ai même pas vu, je suis vraiment dalleux. Donc, on va voir ce qu'il y a. On va faire une pioche au hasard. On pioche. C'est des autocollants, ça se voit. Ah bah. En pioche le plus connu, bien sûr. Et avec un autre qui est juste... Ah bah. Oui. Ouais, si c'est ça accroché, MDR. Non, bref. Donc voilà, les deux petits autocollants. Voilà, ces deux autocollants Kendama France. C'est celui-là, assez stylé, en jaune. Allez, on va en pocher un autre. Ion. Il me reste que deux, je crois. Celui-là. Oh. Ouais, lui, franchement, ils sont stylés, ceux-là. Le petit Kendama et le truc en japonais. Voilà, ça et ça. Voilà. Et le dernier, c'est lequel? Ah bah c'est le même. Ouais, c'est le même autocollant. On l'a trop stylé en tout cas. Donc voilà, tous les autocollants. Là, ça fait ça pour l'instant. On met le petit Kendama ici. Et là, il tombe à l'eau. Gros pas chanceux. Donc voilà. Ouais, il y a aussi un truc dans la boîte. Non, c'est une ficelle parce que dans tous les Ken... En fait, là, quand j'ai reçu le Kendama, regardez ça. Dedans, attendez. Ah, j'arrive pas à piocher. Je pioche tout sauf le bon truc. Wow, les autocollants, en fait, ils parlent, les gens, donc c'est chaud. Donc, alors. Voilà. Désolé parce que vous entendez sûrement le vent. Il y a ça. Hop là. Donc, on va se l'ouvrir. C'est une ficelle. Voir si c'est de la bonne ficelle. Déjà, là, c'est de la bonne ficelle. Assez bonne. C'est pas la meilleure, mais là, c'est bonne. Les deux natifs sont mieux. Donc je vais pas l'ouvrir, voilà. Mais là il y a une petite bille bleue et la ficelle, voilà. Après il y a encore un autocollant, la chrome. Voilà. Donc on va voir le Kendama viteuf. Allez, on le démêle. J'ai trop peur de l'abîmer, franchement. C'est sûr que ça fait le plus peur. Donc les cups, ils sont assez grandes, voilà. Putain. Les cups, ils sont grandes. Donc je l'ai payé 40 euros, voilà, celui-là, 30 euros. Voilà, oh putain, bon, il est assez lent, voilà. Je vais vous dire combien ça fait de doigts. Donc c'est 5 doigts à peu près, voilà, 5 doigts de longueur. Franchement, c'est beaucoup 5 doigts. Bon, bref. Donc, franchement, là, on va voir si ça accroche. Ouais, ça a l'air d'accrocher, en tout cas. Il a du grip, c'est bien. Pour les lunars, ouais. Oh ouais, franchement, il tient bien pour les lunars et tout.
Voilà. En plus, il y a du vent là, mais il tient vraiment bien. Donc on va voir s'il y a déjà une bille. What? Oh non, mais il n'y a pas de bille. Attendez, je vais mieux voir. Ouais, il n'y a pas de bille, mais en fait, je ne sais pas trop à quoi sert la bille. Je sais ce que ça sert à mettre une tout. Bon, bref, mais ça va, il y a un petit nœud, ça marche bien. Désolé, tout va s'envoler. Donc voilà, c'est pas la fin en fait. On va se le tester et moi, je vous dis à tout à l'heure. You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. C'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, pour moi, ça a mis un peu longtemps parce que je poste cette vidéo et donc 3 jours après, j'ai le Ken. Donc, en fait, je vais même pas la poster 3 jours après. Je vais la poster une semaine, même presque une semaine, mais non, pas une semaine après. T'es malade. Donc, en fait, le Ken, je l'ai eu jeudi. Voilà, je l'ai eu jeudi le Ken et là, on est vendredi. Voilà. Et je la poste pas encore parce que là, c'est chiant. Il y a eu un problème de code. Donc, désolé si vous entendez du bruit. Donc voilà, donc du coup je l'ai testé le Ken. Donc juste je vous montre un truc, vous voulez voir là, comment je l'ai bien imbibé en même temps. Regardez, c'est... Voilà, il est bien abîmé. Alors en équilibre, je donne 7 sur 10 à peu près. En geste, bah, je sais pas. Non mais en vrai ouais ça va, il est bien, il est pas très léger, il est pas très lourd. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Peace.